Thank you. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler, une fois n'est pas coutume, de Webperf et des nouveautés du protocole HTTP parce que ça a beau être quelque chose d'assez ancien, ça évolue encore pas mal. Et parfois, on va le voir, ça même revient en arrière. Donc, euh, je m'appelle Kevin, euh, venant du nord de la France, c'est assez commun. Euh, je suis le cofondateur de, et effectivement, ça fait un moment que je travaille sur euh, PHP et, et son écosystème, mais aussi euh, sur euh, d'autres euh, technologies, euh, desquelles je pense qu'il y a pas mal de, de choses, desquelles on peut s'inspirer, dont euh, Go et le serveur WebCaddy dont on va parler un petit peu à la fin de cette conférence. L'Ethiel, c'est une société coopérative qui appartient intégralement aux gens qui travaillent dedans et qui prend les décisions de manière démocratique, qui fait principalement du développement, du consulting, de l'audit. En gros, qui peut vous aider pour faire des bons projets ou vous aider quand le projet est déjà en difficulté. Et on est très présent dans l'écosystème PHP avec API Platform. On est aussi dans la PHP Foundation là, depuis un an. On travaille beaucoup sur Symfony. Depuis cette semaine, on est partenaire officiel de Laravel, je sais qu'il n'y a pas que des fans, mais euh, pas mal de projets, c'est quand même assez efficace et on en fait depuis assez longtemps euh, chez les tiels. On fait aussi beaucoup euh, de, de javascript, euh, oui, vraiment très éclectique, bref. Euh, voilà pour les petites présentations. Alors, de quoi va parler ce talk de 20 minutes Quel est le problème qui de régler ce nouveau code de statut, pourquoi dans ce protocole assez ancien qui est HTTP2, on vient rajouter un élément aussi fondamental qu'un nouveau code de statut. Alors déjà, peut-être, pour voir à qui j'ai affaire, qui sait ce que c'est qu'un code de statut HTTP Ok, donc on n'est pas obligé de passer de temps là-dessus, ça tombe bien, j'ai que 20 minutes. Le fonctionnement du web, de manière complètement classique, c'est à peu près résumé par ce schéma que j'ai honteusement copié sur le site de Google Web Dev. Un utilisateur va vouloir accéder à une ressource. Une ressource, à la base, c'était des documents style thèse, documents universitaires, etc. Le web était conçu pour ça. Maintenant, généralement, c'est des vidéos de chat. on peu importe, une ressource, c'est n'importe quoi qui peut être nommé et du coup affiché à l'utilisateur final. L'utilisateur, pour ça, il va utiliser un agent-utilisateur. Dans 95% des cas, ou 90%, c'est Google Chrome. Dans les faits, ça peut être n'importe quel navigateur web ou client HTTP type curl, ce genre de choses. Donc, voilà, on a une requête get qui permet de demander une ressource. Et, en théorie, on obtient cette ressource, elle est affichée à l'utilisateur. C'est vraiment le principe du web, le slogan de base, partager les connaissances, etc. Ça, c'est la théorie. Et ça marchait bien dans les années 90, quand notre document, c'était juste du texte. Quoi. Dans les faits, maintenant, les pages web euh, sont composées de plusieurs ressources. On a notre ressource principale, disons euh, notre article de blog, mais euh, cet article de blog, quand on récupère la ressource principale index.html, on obtient juste du HTML. Et en fait, il faut aussi une feuille de style CSS, voire plusieurs feuilles de style CSS pour le mettre en pour le mettre en page. Il faut aussi euh, 50 000 mégas de JavaScript pour que ça s'affiche correctement, parce que vous avez utilisé React ou Vue.js. Il faut aussi des images pour que ce soit joli. Il faut aussi euh, des vidéos, parce que euh, pour monétiser votre blog, vous lancez des vidéos en autoplay et tout ça. Euh, bref, en plus de la ressource principale index.html, ici là dans mon exemple, j'ai aussi besoin de beaucoup de ressources liées. Ça, c'est l'état actuel du web. Et le problème qui se passe, c'est que c'est lent. Vous allez demander l'article de blog, le, votre script PHP va exécuter 2000 requêtes SQL, des algorithmes mal foutus, etc. Ça va prendre un moment. Une fois que tout ça aura été effectué, vous aurez généré du HTML côté serveur vous allez l'envoyer au client, il faut qu'il soit téléchargé, en tout cas commencer à être téléchargé. Et à ce moment-là, uniquement, le navigateur web va pouvoir réclamer les ressources liées, les CSS, les JS, etc. Et donc, seulement au moment où il aura le HTML, il va devoir lancer ses téléchargements. Et potentiellement, ça va être en cascade. Peut-être que votre fichier JS référence à un autre fichier JS qui lui-même référence une image. Bon, il va falloir attendre que le fichier HTML, puis le fichier JS, puis le fichier JS, puis l'image soit téléchargé pour que je puisse finalement afficher mon contenu intéressant à l'utilisateur. Ça va faire ce qu'on appelle des latents. Ça va augmenter les latences. On arrive dans ce genre de situation. Ok, au niveau protocole, comment ça marche? Donc là, c'est du HTTP, on va dire, euh, abstrait. C'est-à-dire que c'est ni du HTTP1, ni du HTTP2, ni du HTTP3, c'est un truc qui marche à peu près dans les trois, et on va voir que ça a quand même son importance. Euh, ça ressemble euh, très fort à du HTTP1. Donc voilà, on demande la ressource principale. Notre serveur PHP exécute ses 2000 requêtes SQL, ça prend un moment, ce qu'on va appeler le, le temps de calcul, le temps de pensée du, du serveur, et ça bloque l'affichage de la page pendant ce temps-là. Ensuite, le HTML est prêt, il est enfin généré, il est envoyé, finalement, à la latence réseau, etc. C'est récupéré par le navigateur. Bam Le navigateur voit qu'il y a un fichier CSS qui est demandé. Boum Nouvelle requête effectuée par le navigateur vers common.css. Une fois qu'il est téléchargé, euh, il va faire le rendu, ce qui peut prendre un peu de temps aussi, et c'est affiché. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau code 103 Ce nouveau code 103. Euh, va permettre d'essayer de diminuer la latence perçue par l'utilisateur pour l'affichage de ces données. Alors, déjà, on va quand même reparler un tout petit peu des codes de statut, vous savez tous ce que c'est, mais est-ce que parmi vous, certains ont déjà utilisé, manipulé directement des codes de statut qui commencent par la classe 1 Vous connaissez sûrement les 2 comme 200, qui sont euh, OK, on en voit quelque chose qui... C est, c est, tout va bien. La classe 3, qui sont les redirections. La classe 4, qui sont les erreurs... Côté client, enfin, les, des données utilisateurs mal formatées, une erreur de validation, etc. Et la classe 5, qui est euh, on a un problème côté serveur, on a un bug dans notre code, etc. Mais la classe 1, qui parmi vous a déjà utilisé ces codes de statut Ça ne m'étonne pas. OK. Assez, assez peu de monde. Et en fait, c'est assez logique parce que c'est utilisé mais c'est euh, utilisé généralement par des trucs assez bas niveau qui sont implémentés directement par les navigateurs et les serveurs web de l'autre côté. En fait, la classe 1, c'est des réponses dites informatives, qui vont être des réponses préliminaires, temporaires, qui vont être envoyées avant les réponses finales. Donc, en fait, on va pouvoir, le serveur va pouvoir envoyer des informations au client en lui disant, bon, c'est l'information que j'ai en ce moment sur une opération qui est en cours d'être effectuée, en progression, et à la fin, tu auras forcément une réponse suivante qui va être de la classe 2, 3, 4 ou 5. Donc c'est des réponses temporaires. Le seul usage vraiment euh, commun de ça, c'est l'upload de fichiers. En fait, quand vous uploadez un fichier via un navigateur web, généralement, le navigateur envoie une requête pour dire, voilà, je vais envoyer un fichier de 10 mégas, et le serveur a l'occasion de répondre avec une réponse 1, euh, ok, c'est bon, je vais l'accepter, ou non, c'est trop gros, arrête-toi là tout de suite. Alors, euh, pour améliorer les performances, les gens de chez Fastly, à la base, si je ne dis pas de bêtises ont décidé de proposer un nouveau code de statut qui va permettre de donner des indications très tôt dans le cycle de requête-réponse HTTP au navigateur. L'idée de base c'est que bah, nous en tant que développeurs web en tant que développeurs PHP, on sait que pour afficher la page au final en plus du HTML du blog, j'ai aussi besoin de ces deux feuilles de style CSS là, de cette image là et euh, de ces 3000 JavaScript euh, euh, ici. Donc, plutôt que d'attendre, d'avoir fait toutes mes requêtes SQL, etc., et d'avoir envoyé tout le HTML, je pourrais notifier le navigateur tout de suite qu'il en a besoin, pour que pendant cette attente, le navigateur télécharge ces éléments-là en parallèle. Comme ça, une fois que tout est prêt, une fois que tout est téléchargé, je peux afficher tout de suite les éléments. Je n'ai plus ces cascades. Je peux diminuer cette latence perçue. C'est vraiment l'idée des codes 103. C'est de pouvoir permettre au navigateur de télécharger en parallèle toutes les ressources liées qui seront. Au au final nécessaire pour afficher les données à l'utilisateur. Ça utilise euh, des standards préexistants qu'on va couvrir très rapidement euh, après. Mais ils ne sont pas réinventés la roue. Et attention, ça ne fonctionne que avec HTTP 2 et HTTP 3, donc avec HTTPS. En tout cas dans les navigateurs web. Avec Curl, euh, de manière programmatique, ça peut aussi marcher avec HTTP 1, mais dans la vraie vie avec des, des vrais utilisateurs, il faut du HTTP 2 ou 3 pour que ce soit activé. Alors, à la base, c'était une RFC euh, qui a été proposée par Fastly en 2017, qui a toujours le statut expérimental qui définit euh, comment fonctionne ce nouveau euh, code de statut. Et euh, depuis quelque temps, euh, ça a été déplacé dans le standard HTML, et donc maintenant ça fait partie du, du standard HTML qui est fait par le WebVG et normalisé une fois de temps en temps par le W3C. Donc ça fait partie du corpus des standards du Web. Alors voyons comment ça marche. Toujours le même exemple, un fichier index.html, potentiellement généré par un script PHP, euh, qui a besoin, pour être affiché par le navigateur, d'une feuille de style common.css. Le navigateur fait la requête. Tout de suite, immédiatement, avant d'exécuter mes requêtes SQL, etc., le serveur va envoyer une réponse informative de code 103 avec, qui indique qu'il y aura besoin de common.css. Tout de suite. En parallèle, en attendant le HTML généré par mon script PHP, le navigateur télécharge cette feuille de style. Finalement, le HTML est généré, envoyé, il arrive. Au moment où le navigateur voit que, bah, en fait, il faut, il faut euh, utiliser la feuille de style command.css pour faire le rendu, elle est déjà téléchargée et je peux le faire immédiatement. Donc, je réduis mes latences. Là, typiquement, les 25 millisecondes qui avant venaient après la génération, voilà, bah, elles ont été faites en parallèle, donc j'ai gagné 25 millisecondes en temps d'affichage. Au niveau HTTP, comment ça fonctionne Bon, là j'ai ma requête très similaire à celle d'avant, sauf que donc j'ai ma requête, j'ai ma réponse, sauf que vous voyez maintenant j'ai une autre réponse entre les deux. Donc requête, réponse temporaire qui est envoyée le plus tôt possible avec le code 103 Early Hints et un en-tête spécial Link qui référence quel est le fichier que je veux télécharger Bien sûr, je peux télécharger autant de fichiers que nécessaire et je peux m'envoyer plusieurs fois des requêtes 103 quand je détecte au fil de la progression qu'en fait, j'aurai besoin de trucs en plus. Je peux le faire au fil de l'eau. Euh, la relation qui dit à quoi ça sert, faut que je le prélode. Et ça, c'est pour les de security policy. C'est pour que le navigateur sache ce qu'il y a dedans et commence dans quel contexte ça doit être utilisé. Donc là, c'est une feuille de style. Dès que c'est reçu, le navigateur peut émettre la deuxième requête en parallèle. Et puis ensuite, bon bah ben voilà, parallélisme. Euh, dès que j'ai le HTML, ça, ça va être soit en cours de téléchargement ou au mieux déjà téléchargé. Je vais pouvoir l'utiliser. C'est clair jusque-là Concrètement. Il y a eu pas mal d'études qui ont été menées par Google, Cloudflare, Fastly, euh, qui, ont, euh, qui ont fait ça ensemble. Et euh, grosso modo, suivant les cas, pour ce qu'on appelle le Largest Contentful Paint, c'est-à-dire en gros le bloc principal de votre page, disons que sur un site e-commerce ici, c'est pas les menus, etc., c'est euh, euh, mon produit avec sa description, son prix et sa photo. Euh, euh, du coup, ça, ça inclut vraiment c'est du dessin dans le navigateur. Donc, s'il faut trois feuilles de style, une image et un JavaScript, il faut que tout ça soit téléchargé, et que ce soit affiché. Cette métrique, euh, elle, elle est très très utilisée pour le référencement. En gros, euh, Google va classer plus haut les sites dont le contenu principal est affiché le plus vite possible par, euh, pour le naviguer, pour l'utilisateur, parce que bien sûr, ça améliore l'expérience utilisateur. Bref, en utilisant les, ce code 103, euh, Google, euh, Shopify, etc., on voit qu'en moyenne, on arrivait à améliorer la latence perçue, à améliorer le LCP de 30%. Donc c'est quand même énorme, en fait, en, juste en ajoutant un, un, une petite réponse temporaire qui dit, bah, tu vas avoir besoin là, de cette image de T-shirt, comment ça va la recharger tout de suite plutôt que d'attendre que tout le HTML soit prêt. Et donc, juste avec ça, on arrive à améliorer vraiment beaucoup les performances et à rendre les sites un peu plus rapides. Alors bien sûr, si vous n'aviez pas... 10 000 images et 100 000 feuilles de fichiers JavaScript, ça irait plus vite sans avoir besoin de tout ça. Mais le fait est que ce n'est pas l'état du web actuel. Alors, vous allez me dire, est-ce que tu n'avais pas déjà parlé d'un truc comme ça, une vieille version, une vieille édition du forum PHP Il n'y avait pas un truc dans HTTP2, ce n'était pas censé servir à ça, HTTP2. Ah si, effectivement, c'était censé servir à ça. Google avait promu énormément une fonctionnalité qui s'appelait Server Push, euh, qu'ils ont fini par supprimer de Chrome en disant, bon, bah, en fait, c'est complexe, c'est pas très utilisé, ça peut être mal utilisé, en fait, dégrader les performances. Euh, du coup, on va le supprimer et on va exhumer la vieille RFC de Fastly, qui, en fait, est beaucoup plus simple et règle la plupart des problèmes. Et, et voilà, utilisez ça de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, j'ai fait, fait un talk sur ce sujet que vous pouvez retrouver euh, euh, en ligne à la FUBD. Euh, mais donc, en gros, c'est un peu le remplacement moderne et plus simple de HTTP2 Server Push, qui, de toute façon, ne marche plus dans Google Chrome maintenant. Alors... Comment on fait pour utiliser ça dans nos applications PHP Déjà, il faut que l'utilisateur ait un navigateur compatible. Actuellement, les navigateurs compatibles, c'est les dérivés de Chromium qui ont tous activé ça au cours des derniers mois. Ça date de cette année, c'est quand même assez récent que ce soit présent dans les, dans les navigateurs. Il y a aussi le support expérimental de ce code de statut dans Firefox et dans Safari et ça devrait être mis dans les versions non expérimentales relativement prochainement. De toute façon, les réponses 103 étant temporaires, les navigateurs les ignorent s'ils ne connaissent pas le code de statut qui est renvoyé. Donc, euh, bon déjà, Chrome, une grosse, malheureusement, c'est une grosse part de marché, donc ça va permettre d'accélérer euh, les, les sites web chez pas mal de monde, en attendant que Firefox et Safari rattrapent leur retard là-dessus. Et de toute façon, les envoyer, ça peut améliorer les performances sur Chrome, et, ne, et, et les envoyer, ça va faire... Juste, ça va être juste aussi lent qu'avant, mais pas plus lent qu'avant, sur les navigateurs qui ne le supportent pas. Donc il y a vraiment tout intérêt à toujours envoyer ces codes de statut, euh, parce qu'il n'y a que des avantages, euh, pas d'inconvénients. Alors ensuite, si on veut faire marcher ça dans euh, nos pages web, le plus simple pour le moment, c'est de le faire dans la config du serveur web directement. Ce n'est pas très pratique, mais c'est le plus simple. Alors ça marche que vous soyez en PHP, en JavaScript, en Rails, peu importe, ça fonctionne. Avec Kadi, mon serveur web préféré, on peut le faire depuis euh, un peu moins d'un an, je crois. On va définir un matcher qui dit Ok, toutes les requêtes qui sont HTTP2 et dont le pass, c'est ça, je veux que tu m'envoies euh, le fichier CLSS en early ins. Et donc là, c'est vraiment le serveur web qui va se charger de générer cette réponse temporaire. Ça, ça marche. Avec Apache, on peut aussi le faire. C'est un peu une bidouille leur config, mais ceci dit, ça fonctionne. Eux, ils ont dit Bon, euh, euh, ça marchait avec. Euh, euh, on avait HTTP de serveur push, en fait c'est un peu la même chose. Du coup, on va proposer une nouvelle directive qui permet de désactiver serveur push mais d'activer les early ints à la place. Et euh, on va juste surcharger le comportement de ce qu'on avait déjà. au bon, là, du coup, pareil, hein, on met le nom du pass et la, le, le fichier qu'on veut pusher. Et grâce à ça, ça va envoyer un early int plutôt qu'un serveur push. Qui utilise Nginx ici ouais, C'est mort. Pour l'instant, ce n'est pas supporté. En tout cas, via la configuration comme ça par nginx. Alors, et si on veut le faire en PHP, est-ce que c'est quand même plus pratique de pouvoir gérer ça, de centraliser ça dans notre code PHP Ça peut être aussi pratique de pouvoir le faire de manière programmatique. Dans certains cas, pour tel article, je prélode telle image, par exemple. Ça, je n'ai pas pouvoir le hard coder dans ma configuration de mon serveur web. Alors, Nikita euh, a fait une pull request comme d'habitude pour essayer d'ajouter ça dans, dans PHP. Euh, voilà, comme d'habitude, il contribuait euh, l'essentiel des fonctionnalités de, de, de PHP. Sauf que, en discutant de ça, on s'est rendu compte que, de par le fonctionnement interne de PHP, ça n'allait pas fonctionner. Malheureusement, le euh, moteur d'exécution le plus populaire de PHP, c'est PHP-FPM, et PHP-FPM ne parle pas directement le HTTP. Ce que fait PHP. En fait, le navigateur web va faire une requête à un serveur web, type Apache, KDI, Nginx, etc., qui va lui-même la convertir dans un protocole un peu ancien qui s'appelle FastCGI, qui va être envoyé à PHP-FPM. PHP-FPM va traiter la requête, envoyer une réponse FastCGI, qui va être elle-même euh, passée au serveur web, qui va la convertir en réponse HTTP. Là où on est embêté, c'est que dans la spécification FastCGI, on dit une requête égale une réponse, pas plusieurs réponses. Sauf que nous là on veut envoyer plusieurs réponses et ça ne fonctionne pas. Il bon, n'y a pas de solution, sauf patcher la spécification, bon courage, c'est un truc de l'IETF, etc. Et ensuite patcher toutes les implémentations pour pouvoir être en mesure de gérer ce code de statut avec PHP-FPM. Alors, on pourrait imaginer ce genre de hack. Euh, J'envoie ma première requête au centreur comme d'habitude, puis ensuite, bam, directement dans la connexion TCP, je fais à la main euh, ma seconde réponse finale où je mets euh, voilà euh, le, le, le texte euh, de mon HTTP. Effectivement, on pourrait l'imaginer. Attention, par contre, là c'est du HTTP 1.1 écrit en dur. Mais HTTP 2, et HTTP 3, c'est plus un protocole texte, c'est un protocole binaire. Donc ça, ça va rien dire en HTTP 2, en HTTP 3, ça va être envoyer directement dans le corps de la requête, et du coup mon utilisateur final va voir ça s'afficher au lieu de son t-shirt qu'il veut acheter, ça va peut-être pas être terrible. Euh, donc ça c'est un souci, d'autant plus que les early ins ne marchent qu'avec HTTP2 ou 3, pas avec le 1. Alors, on pourrait penser à faire des trucs encore plus compliqués du genre, je configure mon serveur web pour ne mettre que du HTTP1, et je mets un reverse proxy qui va convertir le HTTP1 en HTTP2 au-dessus. Ça ça fonctionne, mais c'est un petit peu compliqué. Bref. Peut-être qu'on peut faire mieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a bossé pas mal sur FrankenPHP. FrankenPHP, lui, il est écrit en Go. Il dans l'exécuteur le, PHP, il est écrit en Go et il parle directement HTTP. Et comme Go supporte euh, ce code 103 Early Hints, FrankenPHP est capable d'envoyer plusieurs réponses à une seule requête. Et peut envoyer sans problème du, coup, euh, du code 103. Ça règle, il euh, n'y a plus le face CGI entre les deux qui nous embête. Du coup, si votre moteur d'exécution est FrankenPHP, vous pouvez juste créer votre première euh, réponse, envoyer une réponse informative avec cette fonction, euh, qui est en fait celle qui a été proposée en termes d'API par Nikita tout à l'heure, qu'on a réimplémentée, et puis ensuite euh, faire votre PHP comme d'habitude, et à la fin, PHP, euh, de manière transparente, va générer la seconde réponse qui va réinclure ses entêtes, parce que c'est nécessaire, et faire tout le travail pour vous. Donc ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, si vous utilisez FrankenPHP. Si vous utilisez les composants Symfony type HTTP Foundation, ce qui est le cas de Laravel, Drupal et plein d'autres machins, et que le moteur d'exécution est frankenphp, vous pouvez aussi, depuis la version 6.3, envoyer des réponses temporaires avec la méthode sendAdders et en passant 103 en paramètres, puis votre réponse finale, comme d'habitude, c'est pareil, c'est complètement transparent. Et si vous utilisez la version full stack, de Symfony. Là c'est encore mieux. Le contrôleur euh, par défaut de Symfony fournit un petit helper qui permet d'envoyer de, des, des requêtes euh, sans trois. Et donc vous pouvez utiliser cette nouvelle fonction send early hints euh, et le composant web pour référencer euh, quel est euh, le fichier que vous voulez envoyer. Et ça va marcher dans le cas où vous utilisez franken PHP. Attention à un truc euh, avec ça. Bien sûr, utilisez ça le plus tôt possible. Si ici là, avant d'appeler Cinderly je fais 2000 requêtes à doctrine, ça va plus avoir beaucoup d'intérêt. Il faut vraiment que je le fasse assez tôt. Et finalement le mettre dans le serveur web, c'est pas si mal parce que ça permet de le faire même avant que je déclenche l'exécuteur PHP. Donc voilà, suivant les cas, pour l'image, c'est bien là. Pour le fichier CSS, c'est peut-être pas plus mal de le faire dans le serveur web parce que je sais que pour cette URL, j'aurai toujours ce fichier CSS, donc autant l'envoyer le plus tôt possible. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. En quelques lignes de config dans votre serveur web ou en utilisant FrankenPHP, PHP, vous pouvez aussi faire les deux. Euh, vous pouvez donc essayer de euh, gagner énormément en, en temps d'affichage et ça marche actuellement sur Chrome. Merci à tous. Merci. Merci. <laughs> on, on est court en temps, malheureusement on n'aura pas le temps de faire des questions sauf si on a une question très précise et très rapide. <laughs> et on partira en pause directement après. Ce qui se fait fin quand même. Merci. Euh, merci pour la conf. On parlait de serveur push pour préloader, pour pusher des ressources autres que du CSS et des images. Est-ce que c'est viable et pertinent d'envisager de pousser du JSON avec les early hints? Bon. Il me semble que tu connais la réponse parce qu'il me semble que tu as une pull request sur Vulcan en cours d'attente pour, pour permettre de faire ça. Mais oui, complètement. En fait, on a discuté pas mal avec les équipes de Google au moment où, où Server Push a été supprimé parce que c'était pratique pour ce cas très front qu'on a vu là, mais aussi pour les API web, surtout les API hypermédias avec des relations liées comme celles exposées par API Platform. Et donc, euh, quand ça a été implémenté dans Chrome, ça a été fait en collaboration avec les équipes de Google pour être en mesure de rendre ça aussi utilisable pour le cas des, des API web. Et il y a du boulot encore en cours, entre autres par Robin, qui a déjà fait des patchs qui restent plus qu'à finaliser et émerger, pour que Vulcan, donc qui permet d'ajouter un reverse proxy, qui permet d'utiliser ce genre de truc au-dessus au d'une API web plutôt que pour du front, soit en mesure d'utiliser ça. Donc euh, oui, oui, complètement. Euh, là, j'ai vraiment montré le cas front-end, qui est le cas typique pour lequel c'est fait, mais ça pourra aussi, ou ça peut être aussi utilisé pour, euh, pour les API web. Et je n'ai pas eu le temps d'en parler pendant la conférence, mais vu qu'on laisse encore un peu de temps, j'en profite. Il y a quand même un gros avantage au code 103 par rapport au serveur push, c'est qu'il y a euh, un, un échange de plus. Alors, avec serveur push, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait envoyer sans échange, voilà de quoi tu vas avoir besoin. Alors que là, il faut envoyer, OK, voilà la liste des choses dont tu vas avoir besoin. Et ensuite, le, le navigateur doit faire une requête vers le fichier CSS, JS, etc. Mais Et l'avantage par rapport à serveur push, c'est que dans serveur push, on envoyait directement le contenu du CSS. Et s'il était déjà en cache dans le navigateur, parce que l'utilisateur revenait sur le site, on avait quand même envoyé pour rien euh, les données. Alors que là, bah, le navigateur va dire Ok, tu as besoin de. va recevoir Ok, tu as besoin de common.css. S'il l'a déjà dans le cache, bah, il va juste rien faire parce qu'il l'a déjà. Et ça, même pour les API, ça va pouvoir être assez pratique parce que ça évite de, finalement de consommer du temps de serveur pour rien, pour des choses qui sont déjà disponibles côté client. Merci. On va passer à la pause.